Les enfants, mettez-vous plus derrière, sinon les gens vont pas l'air. Et tu vois, accroupi. Tiens, justement, en parlant des femmes, vous avez des nouvelles de Véro? Vous connaissez Véro? Véronique! Véro, c'est notre collègue depuis un certain temps de... Et elle est cool, hein, Véro? Par exemple, avec Véro, quand on prend le café au boulot, eh ben, on papote, et on papote, et on papote, et même sans le café d'ailleurs. Et par contre, c'est elle qui marque la discussion. Avec Véro, tu dis pas ce que tu veux. Hein. On te parle sérieux d'abord. Et elle te trouve un truc à dire sur la dernière note que t'as sortie. Attention à la tournure de phrase. Attention, c'est très important. Et ton orthographe, je t'en parle même pas. Du genre, tu connais Victor Hugo? Non. Là, si tu réponds non, t'as vraiment l'air d'une blonde. Tu lis dans ses yeux qu'elle pourrait te répondre, t'as tort, tu devrais suivre des cours du soir. Véro, c'est pas n'importe qui. Vous savez qu'elle a gagné le premier prix? Non, pas Miss Belgique. Que elle a gagné le premier prix de la secrétaire de Belgique. Et rien que ça. Il y en a là-dedans. Hein. Alors, quand elle a postulé chez nous, j'aime autant vous dire qu'on filait droit. Je vous assure, c'est super dur, hein, ce truc-là. Du genre, tu dois déchiffrer des pattes de mouche. C'est vrai que chez nous, ça aide. Et puis, on pose des questions vachement balèzes et il y a toujours trois réponses qui te sont proposées à chaque question. Et méfie-toi, il n'y a jamais qu'une seule bonne réponse. Alors, sinon, tu te plantes si tu ne réponds pas bon. Alors, je vais vous donner un exemple. Hein, l'actuel président de la République française. Petit A, Valéry Giscard d'Estaing. Petit B, Jean-Pierre Raffarin. Petit C, Jacques Chirac. Hein? Ça, Véro, elle le sait. Ou alors, que veut dire le mot Wi-Fi? Quoique, ça faudrait peut-être le demander à Olivier. Moi, je dis qu'il vaut mieux mobiliser son intelligence sur les conneries que mobiliser la connerie sur des choses intelligentes. Et ça, c'est pas de moi. Question finale, c'est pareil. Véro, elle te calcule tout au millipoil. Et pas question de te tromper, elle prend pas de risque. Je suis certaine qu'à l'intérieur de sa tête, là où chez nous il reste encore pas mal de place, elle doit avoir une boîte de chiffres où tout est numéroté correctement. En plus, elle a une cadence que ça fait pas fonctionnaire du tout. Ça fait plutôt militaire, si tu vois ce que je veux dire. Et un petit truc à la Véro aussi, c'est qu'elle a très très bien retenu tout ce que sa petite maman lui a appris. À la lettre, elle le fait, t'inquiète. Véro, par exemple, pour nous, c'est vraiment un exemple. Ne pas parler trop fort, toujours bien dire bonjour, ne pas claquer les portes, ne surtout pas raccrocher le téléphone violemment, jurer quand elle est en colère, ça c'est sûr, Véro, elle reste zen au boulot. Je sais, on a de la chance, il y en a qui peuvent pas en dire autant à la maison. Par contre, si vous la voyez, vous pouvez lui dire que son augmentation est refusée.
car c'est vrai qu'elle a un travail fatigant et de tête avec nous, mais il ne faut pas rigoler. Elle ne bosse pas pendant 8 heures consécutives, hein, c'est prouvé. Il y a toutes les heures qu'elle passe au téléphone avec Olivier pour régler ses problèmes, soi-disant. Des petits trucs banals du genre belle-mère ou autre. Mais ça prend du temps, l'air de rien. Et vous pouvez lui dire aussi que les heures sup, non plus, elles sont pas payées. Car on la croise régulièrement dans d'autres départements. Et il paraît qu'elle n'arrête pas de rentrer et de sortir du bureau avec des sacs remplis de choses douteuses. Moi, je dis que ce qu'elle trimballe, ça se mange. Vous connaissez sa devise, sa Véro, tout planqué dans le tiroir. Car plus une boîte de bonbons est en évidence sur le bureau, plus vite elle sera mangée. Heureusement, il n'y a pas que le boulot dans la vie. On est assez polyvalente, on s'essaye même au chant. Ça rapporte beaucoup moins, je vous le concède. Ça vous dit d'en écouter un morceau? Et qui sait, vous allez peut-être assister à la naissance d'un vrai